Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Dans la vidéo d'aujourd'hui mes amis, je vais vous présenter quelques applications que vous devriez absolument avoir sur vos Android TV pour que vous puissiez profiter pleinement de votre Android TV avec une utilisation vraiment très agréable. Donc les applications que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a certaines de ces applications où est-ce qu'on a déjà fait des vidéos. Donc, vous pourrez aller voir les vidéos en question afin de savoir comment on a fait pour installer ces applications. Sans trop tarder, mes amis, on va y aller directement vous montrer ces applications. Donc, la première Restez avec application nous. que je tiens vraiment à vous présenter, mes amis, c'est l'application Browser. Donc, cette application va vous permettre de naviguer sur Internet facilement et avec une navigation vraiment très, très agréable. Comme vous le voyez, je vais lancer l'application et comme vous le voyez, vous pourrez faire la recherche ici, vous pourrez inscrire votre URL ici et vous pourrez accéder à YouTube, Facebook, Google Play, TikTok, Instagram, Gmail. Donc, vous pourrez accéder à toutes ces applications comme bon vous semble. Deuxième application, mes amis, c'est un autre navigateur et c'est TV Browser et Mountain Browser. Donc, on va ouvrir l'application. Elle est vraiment très très bien faite l'application. Comme vous le voyez, vous pourrez faire votre recherche ici, inscrire le lien de votre site ici. Exemple, si je veux aller sur Google, je n'ai plus besoin d'installer Google Chrome sur mon Android TV. Il suffit juste que je clique sur Google et voilà, je peux faire toutes les recherches que je veux. Et puis la souris, comme vous le voyez, elle fonctionne avec la manette sans aucun problème. Je clique et puis je fais ma recherche, par exemple Infobox TV. Voilà, il va me donner tout ce qui concerne Infobox TV. Comme vous voyez, la navigation est vraiment très fluide et très agréable avec ce browser sur votre Android TV. Donc, mes amis, je vous invite à essayer cette application. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire, on va vous orienter. Troisième application, mes amis, c'est un App Store qui est vraiment très agréable. On a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, c'est celui-là, Emoten Store. Donc, vous avez accès à plein d'applications que vous pourrez installer et en profiter de leur contenu directement sur votre Android TV, comme vous le voyez. Vous pourrez faire la recherche de l'application que vous souhaitez ici, recherche, et puis inscrire le nom de l'application que vous souhaitez. Elle va être affichée ici sans aucun souci. Par la suite, vous procédez à l'installation de l'application sur votre Android TV. C'est le même principe que le Google Play Store. La quatrième application que je vous conseille vivement d'avoir sur vos Android TV, c'est Downlander. Cette application est vraiment excellente et très utile pour certains utilisateurs, surtout si ceux qui utilisent Downlander pour télécharger ou installer des applications. Elle va beaucoup vous aider car, comme vous l'avez remarqué, ou ceux qui utilisent actuellement Downlander, on aimerait avoir votre avis sur cette application. Et en plus, elle est disponible sur le Google Play Store. Vous pourrez l'installer directement depuis le Google Play Store. Et bien sûr, la dernière application, mes amis, c'est un launcher que vous devriez installer sur vos Android TV afin de vous donner ce look, ce style de menu. Pour que vous puissiez sélectionner par exemple juste les applications dont vous aurez besoin afin de les utiliser plus rapidement sans aucun souci. Donc, comme vous le voyez, vous pourrez ajouter uniquement ce que vous souhaitez et les autres applications, ils sont vers le bas avec ce design, avec cet arrière-plan dynamique. Comme vous le voyez, vous avez la température ici. Et ce qui est aussi génial avec cette application, donc si vous allez dans fond d'écran, et vous cliquez sur télécharger, vous avez la possibilité d'importer vos photos afin de les mettre en arrière-plan pour votre launcher. Donc voilà mes amis, c'était juste pour vous faire la présentation de ces quelques applications que vous devriez avoir sur vos Android TV afin que vous allez pouvoir profiter de votre box TV Android à son maximum et donner du style à votre Android TV. Si vous êtes un utilisateur de ces applications, faites-nous savoir dans un commentaire ce que vous en pensez de ces applications et comment trouvez-vous l'utilisation de ces applications sur votre box. Autrement, mes amis, je vous dis à très bientôt.
Merci à tous et bonsoir.